Bonjour et bienvenue sur ce 7ème épisode, je suis Lancha01 et nous allons tout simplement continuer sur Solus The Project. Nous sommes descendus ici, on a pété le mur qui était là, dans la vidéo précédente. Et là nous allons tout simplement continuer notre exploration dans le jeu tout simplement. Alors à savoir que je me suis trompé, la mise à jour n'est pas encore disponible, ils ont dit le 6 mais je pense que c'est aux États-Unis. Hein. Donc nous non. Et donc le souci est que on n'a pas de mise à jour quoi pour le moment. Donc voilà, je dois vous rappeler de ça, hein, ici tout ça, donc voilà. Le jeu a toujours quelques petits bugs, des petits RAM et tout ça. Alors j'ai mon état de processeur et tout ça, et franchement, sur ce jeu là, j'utilise que 30% du processeur, mais encore même pas, 27% du processeur. Et juste 1 giga de mémoire de RAM. Donc c'est pas mon ordinateur comme je le disais déjà. C'est bien le jeu qui a des moments, bah il y a des freezes, des petits bugs, des petits trucs comme ça. Ah c'est pas bien grave. C'est juste que c'est un peu embêtant on va dire. Mais bon, c'est pas non plus voilà, pas très grave. C'est un peu embêtant. Alors du coup quand il y aura des petits bugs ou des petits RAM, parce qu'il va en avoir d'autres, hein, ça c'est clair. S'il y a des RAM pendant les temps de charge, par exemple le sommeil ou quoi que ce soit, bah je couperai, je reprendrai, juste après. Voilà, pour éviter d'avoir trop d'emmerdement, enfin de trop de trucs qui cassent les couilles, quoi, on va dire, par rapport aux bugs que nous avons là. Donc nous allons lancer une vidéo tout simplement, on va continuer notre exploration. Voilà, donc vraiment, on va dire tranquille. Hein. Et puis bah, on va voir ça ensemble, ce qui nous attend. Allez, déjà là, le dodo. Voilà, alors le maximum c'est 10 heures. Allez, je me dis, c'est parti.
Alors comme je me disais, voilà, on a eu un petit bug, donc je couperai pendant le dodo. Mais bon, le jeu n'a pas crash, donc ça va. Voilà, on va prendre, on va manger, combien de calories on a, ouais. 2000 calories, alors on va utiliser ça. Voilà. Du coup, on va... Let's go, on va continuer. Donc je sais pas si je vous ai fait lire l'histoire là. Je crois que oui, là, j'ai dû vous faire lire l'histoire ici. Donc il y a une partie qui est traduite, une partie qui est pas traduite. Hein. Donc c'est pas ma faute, c'est le jeu. Comme je me disais, voilà, le jeu a des moments des petits bugs, trucs comme ça. Ça vient pas du tout de mon ordinateur, quoi. Bon, j'espère que ça se regarde sur cette partie, pas sur ma partie, une autre partie qui est normalement. En mode hors ligne, hein, mon autre partie qui est en hors ligne, parce que bon, je joue aussi en étant hors ligne, donc ça veut dire sans mettre la vidéo en ligne. Parce que ce jeu est excellent et c'est vrai que je ne peux pas vraiment faire autant de vidéos que je voudrais pour cause de connexion internet.
Donc voilà quoi. Si on aurait, on aurait fini l'épisode 1, on sera prêt à attaquer l'épisode 2 et tout, alors que... Et on sera prêt pour l'épisode 3, qui va pas tarder à sortir. Donc voilà. Au pire, à la dernière vidéo, au pire, ce que je ferai... bah, je vous mettrai le mode principal, les actualités. Et donc vous verrez tout simplement... la prochaine mise à jour qu'il y aura sur le jeu, et trucs comme ça... Donc voilà. Rien. Que dalle. Oh bah, pas besoin de ça. Alors, oui, je m'en souviens de ça. Alors, je m'en souviens pourquoi. Parce que avant de vous présenter ce jeu, j'ai une personne qui m'a présenté le jeu tout simplement. Et moi après, vu que j'ai vachement aimé à explorer des trucs comme ça, dans une autre planète et tout. Alors je l'ai pris le jeu, je l'ai acheté. Pour faire un let's play dessus et puis pour moi aussi, pour mon perso, pour mon envie perso quoi. Parce que bah, ce jeu je l'aime beaucoup en fait. Le fait d'explorer des choses, des trucs comme ça, un peu à la Tomb Raider on va dire, mais en vue FPS quoi. Peur j'aime bien quoi. J'aime bien ce genre de choses. À regarder. Voilà, c'est bon, toi. Ils n'entendent pas que eux. Ouais. C'est trois pareils. Donc je te mets à la fin ou au début. Ce n'est point grave. Il n'y a que celui qui est tout petit au début. Ok. Allez, on est go. Même. Il y a un petit vent de 0,6 mètres seconde quand même. Alors, est-ce que je t'avance encore un peu? Ouais. Alors le truc est plus simple que ça. En fait, il faut juste positionner en sorte que... J'adore les environnements qu'il y a dessus, on dirait trop qu'il y avait une créature qui est en train de grogner limite. Oui donc je disais que en fait c'est lié au téléport en fait, hein. C'est juste mettre en sorte que le téléport arrive à bon point on va dire. Donc voilà. Encore un petit peu je me dis ouais. Ok, on va chercher les deux autres. J'adore les bruits environnement. J'adore, je kiffe. Franchement, ça met de suite dans l'ambiance quand même. Faut dire ce qu'il est, ce jeu. Ah. Alors je me suis dit, je vais peut-être baisser le son et tout ça. Parce que peut-être que vous m'entendrez pas. Et franchement, les bruitages sont tellement géniaux que j'ai vraiment pas envie de baisser le son, quoi. Du jeu, je parle. Alors qu'il faudrait peut-être que je le fasse, parce que bah, selon les bruits, il faudrait que je parle plus fort et tout. Surtout quoi, il y a du vent, ou les pluies et tout ça, quand on est à l'extérieur, quoi. Voilà, quoi. Mais c'est vrai que... Genre je kiffe quoi, c'est tout. Alors comme je vous ai dit hein, là pour moi on est tranquille hein. Après il y aura des donjons avec des pièges et tout ça. Là pour moi c'est juste une balade.
peut profiter de la balade. Après, il y aura des pièges, tout ça, faut faire attention, les choses, tout ça. Donc, oui, je vais abaisser, je vais encore rapprocher les choses. Ok, alors est-ce que t'es... non, c'est encore trop court. Là, je pense que c'est pas mal. Ouais. Ok, le dernier. Et normalement, si je me trompe pas, ça sera bon. Voilà. Donc, il est recommandé de jouer avec une manette de console. Moi, personnellement, je veux souris et clavier, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Ça pas la manette de Xbox, hein, Xbox One ou la 360, c'est la même de toute façon. Moi je joue avec clavier et souris, j'ai toujours fait comme ça, donc... Après c'est une habitude après. Là c'est plus facile à la manette, d'autres c'est plus facile au clavier et à la souris. Hop là. Hop, faire ça. Ça comme ça. Et là, je pense que c'est pas mal. Le petit, maintenant, on approche. Pas trop non plus. Voilà. Ok. Bon. Manger, pas besoin. Calories, tout ça, c'est bon. Pas de soucis là-dessus. Ah, trop haut, trop court, là c'est bon. Toi j'étais mis un peu loin, mais bon, je crois que ça doit aller. Trop court, là, pas trop loin, là c'est bon. Voilà, et là maintenant c'est là. Alors il faut se mettre au bord, au bord, au bord, au bord. Ouais. Nickel. Voilà, on est arrivé. Ah ouais, on peut crafter et faire transformer la nourriture en en trousse de soins, tout simplement. C'est bien ça. Dans la grotte. Alors, comme je vous dis, voilà, niveau technologie quand même, voilà, il y avait des grenades et tout, voilà quoi. Là encore une fois, niveau technologique, voilà, les capteurs.
voyez un peu le la chose quoi rapidement. Le machin il sonne. Donc, vous voyez le capteur il nous détecte quoi. On voit le, vous voyez le point jaune là. C'est en fait c'est le niveau du capteur en fait. Alors pour le moment, ces capteurs n'activent rien. Mais plus tard ces capteurs pourraient peut-être activer des pièges. Vous voyez. Et là-haut, vous avez un mec là-haut. Et là, vous vous dites... Mais en fait, il y a quelqu'un dans cette planète. Putain. Alors, je veux dire, c'est vrai, j'aurais pu faire le petit gars, genre, voilà, je sais pas. Mais je suis désolé, mais je le savais, quoi. Déjà, vu quand j'ai vu une vidéo... de quelqu'un qui a fait le jeu et puis moi après dans la partie précédente en mode hors ligne quoi donc bah voilà quoi. Après à partir de là oui j'ai quitté Manoir Sauvegarde, j'ai quitté là-bas donc on ira un peu plus loin ensemble en vidéo, vous inquiétez pas. Mais ce jeu est tellement excellent que j'arrive pas, j'ai du mal à me maintenir, vous voyez. Et comme ce jeu je le mets en full HD en qualité graphique, donc ma vidéo elle fait elle est plus lourde à supporter et mon disque dur se remplit vraiment vite quoi. J'ai un disque dur d'un terabit tout ça, mais même avec un terabit là quoi ça part vite quoi. Alors voilà, alors je les compresse et tout ça en mettant dans les archives quoi, mais c'est vrai que voilà quoi. Et là vous voyez le pauvre gars était aux toilettes, même là on le tue ici quoi, aux toilettes en train de pisser ou chier, on sait pas si c'est une fille ou un mâle hein, mais... vous voyez. Voilà, c'est les toilettes quoi, laissez-le tranquille le pauvre gars quoi. S'il vous plaît. Ah là là. Ah les méchants. Alors vous allez voir beaucoup de squelettes là, des familles entières. Hein. Regardez, là vous avez un enfant, là vous avez des adultes, tous morts. Donc voilà quoi. Alors ces pierres, on va en avoir besoin. Oui. Alors j'en prends déjà une. Voilà, donc c'est là que vous dit en fait les sauveurs. Là vous avez un bouclier. Alors, le bouclier va peut-être vous être utile pour quelque chose. Je me dis en si jamais. Donc je vais balancer un truc. Qu'est-ce que je vais balancer? Ça peut me soigner, ça peut me donner de la santé. En fait tout ce que j'ai là est utile quoi. Bouteille d'eau à la rigueur. Ouais. On va boire une bouteille d'eau et on va en balancer une là. Je l'ai balancé mais le machin il est limite ah, vous avez de la glace hein. Allez là bas vous avez pu voir que il fait très froid. Alors tac, donc là encore une fois une famille hein. Donc ce sont des maisons en fait hein. Ce sont des maisons. Et voilà quoi, c'est juste des maisons. Donc c'est les maisons de serviteurs en fait. Hein. Et c'est ça que vous dites en fait que les gens qui ont sauvé la populace de à cause de leur planète qui était en danger on va dire, et qui sont fait sauver par les gens, ils ont cru que c'était des sauveurs. Et en fait non, ils ont rendu un esclavage pour construire des trucs. Et là vous voyez ils sont tous morts quoi limite. Hein. À part le gardien qui est là-haut là. D'ailleurs je sais pas si on va le recroiser, si c'est vraiment il a envie ou si c'est un fantôme du passé, je sais pas. Mais vous voyez un peu. Ou tout simplement une défense mécanisée, hein, c'est possible aussi. Hein. Que vous avez des croix un peu spéciales là, un peu qui ont un peu les croix un peu qui a genre égyptien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. C'est ça que vous dites, ouais. Bah, en fait, cette planète là, voilà, les gens sont rendus en esclavage et tout. Donc voilà. Vous avez beaucoup de tables, ça peut être un endroit de prière ou même une école. Sinon je vous dis il y a des enfants aussi, hein. Il y avait des enfants aussi. Donc vous voyez.
Là où il y a encore un cadavre. Là vous avez des mains là. Voilà. Là vous avez un bloc qu'on peut pas casser, ce bloc là. Pourtant je pense qu'il doit y avoir un moyen d'y accéder mais. Là encore une fois vous avez une famille. Hein. C'est vrai que vous dites ouais. C'était pas si gentil que ça. Là encore une fois vous avez une famille. Objective reminder. Locate materials for satellite uplink. Donc voilà, on sait pas du tout de quoi ils sont morts en fait. Hein. Vous avez un enfant. Alors est-ce qu'ils sont morts d'une maladie ou de faim? Enfin de faim non, parce que vous avez vu, il y avait des brouillards et tout ça, mais ils sont peut-être morts d'une maladie ou quelque chose. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts dans leur sommeil. Hein. Donc vous voyez là, par exemple. Donc, voilà, vous avez beaucoup de squelettes. Hein, c'est la même race. Je croyais que c'était un humain lui à la base. Mais non, c'est la même race. Là vous avez un petit là. Il y a quelque chose là-bas, une relique. Donc, je pense qu'il aura un moyen d'accéder. Je ne sais pas comment. Ces barres en acier, ça peut-être qu'avec le chalumeau, je peux les faire fondre. Ce serait une éventualité. J'ai un chalumeau. Hein. Je dis peut-être que... Alors lui il est mort parce qu'une chute de pierre qui l'a tué. Là, vous avez toute une famille entière qui est mort là. Alors qu'ils avaient à manger et à boire donc c'est pas la fin, je pense que c'est sûrement une maladie ou... comme ça. Ici on a quoi? Ici on a une porte. Ouais. Ok. Ok. Alors... Alors, vous comprenez maintenant à quoi les pierres servent. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Voilà, je me suis dit ouais mais non je vais pas utiliser une épée. Non, il était prêt dans une... Allez. Ouais. Ok. Alors là on a... Voilà. Alors là on a un texte, hein, vous allez voir vite fait, je vais vous le faire montrer. La pierre, d'abord. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là maintenant, on peut passer par là. Vous allez vite comprendre pourquoi, quand je vous dis que le jeu est traduit partiellement, bah vous allez vite comprendre pourquoi en fait.
Il me faut une pierre là. Je vais en chercher une autre. Ouais. Je pourrais déposer aussi un bouclier, c'est lourd. Mais les boucliers, je préfère les garder parce que on pourrait peut-être s'en servir, on pourrait s'en servir pour se défendre en fait. Parce que vous voyez ce que je veux dire. Ah putain, ça c'est pire qu'ils sont tous en bas là. Ah non, il y en a une ici. Voilà. Le problème c'est que voilà, là j'ai rempli de place quoi. J'ai de la nourriture, j'ai... J'aime pas être sans défense. Alors vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis ça. Là vous avez eu le texte numéro 1. Et tout simplement en anglais en fait. Vous voyez ? En anglais et puis le test numéro 2 qui est exactement la même histoire hein. Ben lui il va être en français. Voilà, voilà, vous avez pu voir hein. Les One Sky, donc les ceux de 1, ont fait de l'excellent travail, ça va trop vite. Commence alors excellent travail, j'entends les cris de la révélation divine. Je fais confiance que nous allons tous bénéficier de leur sagesse sans fin et profonde. Ouais, bah voilà, voilà votre sagesse, petit gars. Bah, vous êtes des crânes maintenant. C'est con, hein, mais voilà. Du coup, nous allons arrêter l'épisode ici. On va continuer. Hein. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir regardé et d'avoir suivi tout simplement mes vidéos. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Donc voilà, vous aurez le let's play complet de ce jeu-là. Rebel Galaxy, je ne l'arrête pas. Hein. Je l'ai tout simplement en... Comment on appelle ça ? Je le fais aussi hein, donc en parallèle. Vous aurez aussi peut-être des nouveaux jeux aussi peut-être le mois prochain, enfin, comme je peux quoi. Sinon je vous dis merci de regarder, merci de ceux qui me suivent. Hein. Et puis pour éventuels nouveaux abonnés, à la rigueur aussi, merci de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Me dire ce que vous pensez du jeu, si j'aurais loupé des choses, et je sais que j'en ai loupé, mais au moins peut-être des astuces ou quoi, je suis preneur hein, des astuces, voilà, par exemple si vous pouvez me dire comment accéder, je sais pas moi, en bas là où on a vu, il y avait des, où c'était condamné là, trouver justement un endroit, voilà, comme ici là, donc quelque chose à récupérer comme vous pouvez voir, donc je me dis que voilà. Donc n'hésitez pas à de dire des trucs. Je me dis peut-être que c'est pour casser les âmes. Non, je pense pas. Enfin bref, je vous dis à très bientôt et puis encore merci de vous regarder. Et puis à très bientôt. Allez, au revoir les gars.